Alors, nous sommes venus aujourd'hui au congrès parce que semble-t-il que ce congrès-là, c'est pour les Guadeloupéens. Nous sommes venus avec des faits, nous sommes venus avec des questions que nous aurons à poser au président du conseil départemental, mais aussi aux autres élus, sur ce qui se passe véritablement en Guadeloupe. On a dit que c'est le congrès pour dire ce qui ne va pas. Aujourd'hui, nous n'avons pas été contactés, nous n'avons pas été invités, mais nous sommes là pour dire qu'aujourd'hui, nous souhaitons savoir comment le conseil départemental a pu faire l'acquisition de 200 hectares de terre à Petit Canal par prescription acquisitive, alors que le notaire a écrit clairement, noir sur blanc, que ce n'est pas légal. Nous voulons savoir véritablement comment les malheureux qui ont des LES, logements évolutifs sociaux, eh bien, ils paient la taxe foncière et les propriétaires de ces logements-là paient aussi la taxe foncière et que personne ne dit rien. Aujourd'hui, nous avons les documents qui le prouvent que la SICO paie la taxe foncière pour les logements abouillants, mais que les personnes paient aussi cette taxe foncière-là. Cela veut dire que le payeur, il touche deux fois cette taxe-là, les communes perçoivent deux fois l'argent, effectivement, de la taxe foncière. Et aujourd'hui, nous sommes dans le silence des élus. Voilà ce que nous voulons et nous avons souhaité venir dire, ce qui se passe à la SAFER notamment. Aujourd'hui, nous avons effectivement une institution SAFER qui dilapide le patrimoine foncier agricole de la Guadeloupe. Personne ne dit rien. Nous avons signé une convention avec le préfet, avec le président du conseil départemental, avec le président de la Chambre très récemment. Et aujourd'hui, cette convention-là n'est pas respectée. Et on ne nous dit rien du tout. On essaie d'appeler, on essaie d'interpeller et personne ne nous dit rien. Alors aujourd'hui, il y a des élus qui sont là. Il y a le congrès. Nous espérons trouver une réponse à travers effectivement ce qui se passe et ce qui se fait ici.